Alors, monsieur, je suis envoyé par le ministre. Je réponds du président de la République. Sur la note de nomination, vous n'êtes rien dedans. Vous n'êtes pas vigile. Monsieur, je suis du ministère des Sports. Et je suis tutelle de la FECAFOOT. Tutelle ne peut pas être tutorat. Avec l'inspecteur général des services, le ministre nous a envoyé. Donc nous notons que vous avez refusé l'inspecteur général des services entre. Vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Alors, en ce qui concerne. Allez à la CCA. Je suis devenu au porte-parole. La raison pour laquelle nous sommes venus, le ministre a demandé que cette délégation soit conduite par monsieur l'inspecteur général des services, monsieur Tissaké, que vous avez vu, alors, qui devait accompagner l'ensemble du staff. Donc, monsieur Marcus et tous ses assistants et collaborateurs qui ont été nommés par le chef de l'État. Nous avons un message ferme à faire passer. Et je le fais ici, à la FECAFOOT, il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des lions indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. Voilà. Sur ce, M. Brice est là, il est en train de travailler avec son staff. Nous avons le regroupement qui va commencer très prochainement. Les joueurs vont commencer à arriver. Donc le staff va rentrer et va continuer de travailler. C'est le message que j'avais à passer. Bon, monsieur Tissaké est dans la voiture, l'inspecteur général. Donc je vais le retrouver dans le véhicule et nous allons rendre compte au ministre des Sports. Ok.